Oh là là! Oh, le début de match, sa mère! Défend trop bien, ça m'énerve! Saute! Mais non, mais putain, Embiid, casse-toi! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Messieurs, dames, l'heure est grave. Tout se passait bien dans cette série. Le King Paf était incroyable. Je pensais maîtriser la série. Tout se passait bien! Tout se passait bien! Et nous y sommes. Game 7. Nous sommes à un match de la fin de carrière du King Paf. Un match de la naissance du Banks. Bon, là, il y en a peut-être qui vont se dire, wow, ce serait pas mal le Banks, je l'attends impatiemment. Messieurs, dames, un Game 7, ça ne se joue pas. Ça se gagne! Likez, abonnez-vous, encouragez-moi dans les commentaires! Car ça va être très très chaud. Let's go! Et les gars, j'ai besoin de tout le soutien possible. C'est pour ça que je remercie infiniment Red Shadow Legend, qui est le partenaire de ce Game 7, de cette vidéo. Red Shadow Legend, on peut dire que ce sont mes gars sûrs. Ils m'aident énormément. Les amis, Red Shadow Legend fête ses 3 années d'anniversaire, c'est une dinguerie. À l'occasion des 3 ans de Red Shadow Legend, ils m'ont demandé tout simplement de faire mon petit top 3. Des trucs que je kiffe. Déjà, pour commencer, vous le savez très bien, ça ne change pas, ça ne changera jamais. Ouvrir des éclats. Ouvrir des éclats, les éclats, les éclats, les éclats. Mais ouvrir des éclats pour tous les éclater. Hop là, c'est ciao. Et c'est ciao. You win! Niveau de mes champions préférés, bon, là j'en ai vendu pas mal. Ouais, j'aime bien les emmener à la taverne, je les sacrifie pour la cause quoi. Tu sais, t'en sacrifies plusieurs pour en améliorer un. Du coup, j'ai la petite chamane, gratuitement évidemment, grâce au bonus de connexion. J'ai KL, ce sorcier, il est monstrueux, c'est une dinguerie. Il one-shot tout le monde. Bon, après, j'ai beaucoup investi sur lui, genre beaucoup de mes champions justement. Il y a encore de l'orque avec Wagon du Fléau. Les donjons aussi, c'est pas mal, mais là par contre, pour le coup, je me fais un peu éclataxe quoi. Non. Évidemment, pour les 3 ans d'anniversaire, Red vous met bien de fou avec tout un tas d'événements. De nouveaux champions, de nouveaux ensembles d'artefacts. Si tu n'as jamais joué à Red Shadow Legend, c'est le meilleur moment pour commencer, mon pote. Cliquez sur le lien dans la description. Vous scannez mon petit QR code là, juste ici. Ou là, je sais pas. Et vous recevrez un énorme pack spécial gratuitement, d'une valeur de 40$. 3 champions gratuits en même temps. Miséricord, Tiger Soul, Romero, 10 infusions de magie, 10 infusions de force, 10 infusions d'esprit. Boum! Et tous ces petits cadeaux, tu les retrouves juste dans la petite boîte là. Voilà. Ces cadeaux, c'est gratuit. T'as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et comme c'est l'anniversaire de Red, il y a encore plus que ça, les gars. Tous les nouveaux joueurs et les joueurs les plus actifs, vous pouvez recevoir tout un tas de cadeaux d'une valeur de 25$. Après avoir cliqué sur les liens dans la description, vous avez tout simplement à saisir le petit code WYESRED. Avec cet accent incroyable anglais, t'as vu. Merci à nouveau à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci pour leur soutien. J'ai dit 1 milliard de fois, mais fais-toi plaisir, le lien est dans la description. Et moi, messieurs, dames, il faut que je me concentre un petit peu. Il faut que je me mette dans la peau d'un champion. Pour un match de champion. Game 7! Trois dans la série, Game 7 à domicile. Je fais une série incroyable. Honnêtement, je fais des matchs de fou, mais à chaque fois, on... Les coéquipiers ne suivent pas, je sais pas. Vucevic, il est inutile. Zach Lavine, il brique. DeRozan, il est totalement invisible. Mais après, soyons honnêtes, je fais une bonne série, mais Ben Simmons défend très bien sur WAM. Je suis obligé de jouer avec mes coéquipiers sur cette série parce que vraiment... Ben, oh, tu finis, s'il te plaît. Tu briques pas, tu le mets. Merci. Vraiment, je suis obligé de faire des passes et tout. De... Enfin, je vous l'avais déjà dit plein de fois, hein. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois, mais... Ce touquet, c'est un touquet où tu... Chaque adversaire est différent, joue différemment, etc. Et les Sixers, je sais pas si vous vous rappelez, quand je jouais au Knicks, j'avais galéré, ça s'était joué en 7 matchs aussi. Parce que vraiment, Simmons, il lock et tout. Oui, Simmons, c'est toujours aux Sixers, hein, je vous l'ai déjà dit dans ma carrière, parce que j'ai pas eu les mises à jour d'effectifs, vu que la carrière était avant. Oh, merci Embiid. On prend le temps. C'était une blague. Je coupe, tu me donnes... Ta mère. Je peux pas jouer facilement, je suis obligé de construire et tout, c'est... On va voir, il y a des moments où je vais peut-être être un peu chaud et tout, mais... J'espère que Vucevic sera à la hauteur aussi, en vrai. Ok, tu l'as frérot, tu le plantes. Oh, s'il le met. Oh là là, incroyable. Après, en fait, défendre sur Ben Simmons, ça va, c'est au calme, c'est attaquer sur lui qui est compliqué. Après, Vucevic, on va voir comment... Oh, N1. Oh, bien joué, oh la chatte. Je peux pas porter l'équipe. Je suis obligé de faire des systèmes et compter sur mes coéquipiers, et malheureusement, ils sont pas trop présents. Donc on va voir si ça change là maintenant. Kyle Anderson, il a 3 points. Nice shot. Nope. Dommage. J'ai la pression, c'est une dinguerie.
J'ai encore putain de Simons là, casse-toi. Il défend trop bien, ça m'énerve, saute. Mais regarde ça, gros. Oh, dommage. Putain, mais gros, je peux rien faire. Très importante, rien à voir avec le match. Je vous ai parlé du Banks et tout, mais oh, je sais pas si j'y vais. Par rapport à la carrière du Banks, j'hésite à la faire sur PS4. La PS4 pour moi est mieux que... Et j'hésite du coup à faire la carrière du Banks sur PS4. Ce qui me permettrait de recommencer à zéro, de vraiment kiffer et tout ça. Je vais galérer un peu, j'aurais peut-être... Ok, j'y vais. Alléluia, mon premier panier du match. Les gars, ce sera pas une carrière réaliste. Je précise, hein, l'an dernier c'était nul la carrière réaliste. Enfin, y en a qui ont peut-être kiffé, hein, mais moi perso j'ai commencé à kiffer seulement quand on est monté autour des 82-3 de général. Donc honnêtement, je pense que le Banks, je le montrerai autour de cette note générale. Ensuite, on montera petit à petit. Il faudra que je grind beaucoup, que je joue énormément. Comme si, vraiment, comme si je recommençais le jeu à zéro à l'ancienne, comme sur Truc 20 par exemple. Ok, je l'ai vu à gauche. S'il te plaît, mon ref. Dommage. Donc ça pourrait être sympa. Je le fais sur Current Gen, je pourrais kiffer la carrière un peu comme Truc 20 à l'ancienne ou Truc 21 quand on était sur PS4. Et ça pourrait me permettre aussi de découvrir le bateau, tout ça. Et pourquoi pas de faire du parc avec vous, tout ça, quoi. Parce que je sais que vous êtes beaucoup encouragés sur PS4. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, la petite passe, magnifique. Tu finis, merci. Eh ouais! Oh, le coach qui me sort, sérieux. Le coach, le match va jouer sur ça, les gars. Il me re-rentre 21-21. Le match va se jouer sur ça, c'est sur mes coéquipiers. Hein. Sur PS4, c'est quand même beaucoup plus réaliste, beaucoup plus carré, quoi. Là-dessus, c'est vraiment le jeu PS4 pour moi. Il est vraiment mieux. Oh, j'y passais, j'y vais. Let's go guys. Maxé les gars, je le cook hein. Non vraiment le jeu sur PS4 je vous dis il est vraiment meilleur hein. Vraiment si je fais pas de parc sur PS5 c'est parce que ça pue du cul, c'est vide, tu te fais soulever par des tryharders, enfin, bref. Interception non. Ce qui m'a mis frère. Oh là là. Ok, tu l'as. Frérot regarde. Gros son aisselle elle est... Mais t'es mort. Ça défend vraiment bien les gars, c'est un truc. Ouais. Je sais pas, hein, vraiment peut-être il y a des trucs que je fais mal. Oh, nice. Let's go! Let's go, putain! Vraiment, le moindre panier, c'est une mission, frère. Tu peux pas... Merci. Je m'arrête, je score. Let's go! Allez, graille ça! Wouhouhouhou! Bang, bang, bang! Je suis on fire, mon gars! Comment je les cook. Oh comment je les cook sa mère. Je suis chaud les gars. Le coach me sort les gars. J'ai peur. Il me re-rentre, on est mené 2 points. Putain. 44-42. Match très défensif. Hein. Mais toute la série ça a été comme ça. Hein. Ça défend énormément. Je suis à 17.3 passes de rebond. 70% en shoot quand même. J'essaie de jouer propre et tout parce que c'est vraiment compliqué. J'ai 2 pertes de balles. Je fais un bon match en vrai pour l'instant. Superbe défense Zach. En fait je comprends pas. Quand je suis sur le terrain. Oh bien ouais. Tu vas finir. Hey, one. Dommage. En fait, quand je suis sur le terrain, ça défend bien. Quand je suis pas sur le terrain, je sais pas, c'est... Je sais pas, c'est chelou. Ok, on va faire un système pour Zach. On va essayer de le chauffer un peu, là. Ok. Mais pourquoi il va pas... Mais pourquoi il fait ça, gros? Bonne défense. Mais quoi? Mais d'où il mettait les... Mais gros! Dédé. Let's go, ça rentre, bang. Let's go! C'est incroyable, comment c'est possible, les gars? C'est le... Sérieux, comment c'est possible qu'on soit mené? Non, 0-0. Oh là là, mais il est incroyable, Embiid. Viens là. Tu rolls. À gauche. Mais à gauche, putain! Mais c'est un truc de ouf! Héros, les Knicks, c'était plus facile, c'était moins dur, c'était moins chiant, c'était... Putain! Bien joué la défense, bien joué, superbe défense, les gars. Non, putain, mais c'est une blague! Mais c'est une blague, putain, DeRozan, tu pues du cul, frère! Lonzo, on va faire du off-ball. Attends, Lonzo, du off-ball, s'il te plaît. Le principe, c'est qu'on fasse un écran, que je mette un 3 points. Comme ça, on revient dans le game. Voilà, maintenant! Oh, la passe de merde! Oh mais putain j'en ai marre gros. C'est un truc de ouf Sérieusement. Mais non. Putain mais non. Ils sont pires que moi dans la vraie vie mon frère. Encore moins de mental.
Ok, il me leur donne direct, hein, je l'ai même pas demandé. Un off-ball, je mets le 3 points, ça nous mettrait super. Ok, le petit mid. Ok, nice. Shoot, shoot, shoot. Ok. On se prend en retard à la fin du troisième carton, les gars. Troisième carton vraiment compliqué. Hein. Du coup, je vais tenter le off-ball, mais pour ça, faut que mes coéquipiers fassent des bons écrans. Oh, s'il te plaît, mec. Là, tu le mets, la tête. Merci. Allez, ça commence comme ça. Les gars, j'ai mis altruiste en argent ou en or exprès pour... Parce que je savais que j'avais besoin de mes coéquipiers. Je l'ai vu sur les matchs d'avant. Bien joué, la défense. C'est bien, mec. C'est bien. Allez. Simon, c'est pas sur le terrain, les gars. Faut en profiter. Hein. C'est limite le joueur le plus fort du match. Encore le mid. Merci. Allez. Tu finis, s'il te plaît. Allez, le petit pick and roll qui fait du yimp. 9 points de retard, toujours. Encore, tu l'as, mec. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Let's go, allez. Putain. Merci. Bien joué, la défense. Vous êtes des monstres, les gars, on est bons, là. On est très bons, là. C'est bon, je suis passé, j'y vais. Let's go, 32 points. On est à 6 points de retard, les mecs. 6 petits points, c'est R. Le coach, il va pas me sortir, le match est trop serré. Nice shot, ça rentre. Bang, les gars. On revient à 3 points! Bien joué, Vooch. Bien joué, Vooch. C'est pas grave, t'as bien défendu vraiment. Bien le con. Oh! J'ai fait le petit step là, c'était pas prévu. Hein. Ok, on a Simons qui vient de re-rentrer. On a Embiid qui vient de re-rentrer. Non, mais d'où il met ça, frère? Donne-moi ça, voilà. Tant que j'ai mon tech, je peux le passer, je pense. Ouais. J'y vais, je suis un monstre. Mais non, mais putain, Embiid, casse-toi! Mais vas-y, nique tout! Défendez les gars s'il vous plaît. Merci. Que Nelvi. Oh, on n'a pas le temps. Wouh. S'il te plaît. Non. Mais vas-y sa mère la. Tu finis s'il te plaît. Merci. Allez les gars, 5 points de retard, il reste 3 minutes, c'est encore jouable. T'as le rôle, tu finis s'il te plaît, tu finis. Merci, allez. Putain, 3 points de retard les gars, allez. Allez, s'il te plaît, Vucevic. Je t'en supplie, mon ref. Merci, bonne défense. Allez, prends le rebond, bats-toi. Mais non, mais bats-toi, putain. Je t'ai pas dit de te faire poster, frérot. J'y vais. Merci, allez. Putain, il nous faut un stop, un putain de stop, c'est tout. Je joue tout sur Embiid. Hein. C'est bon, bonne défense. Allez. On fait un off-ball. Garde la balle, perds la pas. Non, fais pas le fou. What? Je suis en aide, hein. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Hein. Embiid, il fait un match, mais c'est abusé. Hein. Non, attends, off-ball. Ne fais pas le fou, s'il te plaît, Derozan, je t'en supplie, fais pas le fou. Nice, ok. Attendez avant de faire les... Ils vont faire les fautes, je crois. Sur un... Vas-y, let's go. Bien. C'est bien wesh, les gars, sur Simons. Continuez sur Simons, en vrai, les gars. Je laisse de l'espace. Faut qu'il fasse faute à Simons, les gars. Il va louper les deux, tête d'homme, il va louper les deux. Non, pas Milton, par contre. Merci. Mais non, pas Milton. Il en loupe un sur les deux. Pas de temps mort, pas maintenant. On se porte très vite. Attends. Ils veulent pas sauter. Ils veulent pas sauter, frère. S'il te plaît, un écran, vite. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais non. Mais putain, mais j'en ai marre, mais c'est une blague, mais putain! Mais Anderson, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il... Mais putain, mais ça... Mais gros, mais il a fait quoi, Anderson? Explique-moi! Il reste 7 putains de secondes! J'ai mon off-ball, il va donner la balle à Anderson qui prend un vieux shoot dégueulasse là! En vrai, on a le Banks qui arrive bientôt, du coup, hein, c'est le point positif, mais. En vrai, perdre comme ça, ça me pète tellement les couilles, je suis désolé! Après, je stresse à la fin, hein, donc peut-être que je peux mieux faire, je sais pas, je suis. Enfin, sûrement! La mauvaise nouvelle, c'est qu'on perd, la bonne, c'est qu'on a le Banks. Je bois mes larmes, là. Pensez à liker YouTube, abonnez-vous, lâchez le follow Twitch. J'ai le seum, frère.
j'ai le seum. Faut que je le mette le pari de la nuit là. Woo! Let's go!